Et donc, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau Divinity Cube, épisode 34, et je voulais juste vite fait vous montrer un truc avant de commencer l'épisode. Oh, je suis tombé sur le beacon. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal miné ces derniers temps, donc voilà. Ça m'a donné 3-4 chests de stone, donc ça va, c'est raisonnable. On va dire que c'est raisonnable. Et aujourd'hui, on va entamer ma ferme à mobs qui va se passer pas loin de la mine, juste ici. Et on va faire la X-Mob. Donc, pour la faire, je vais regarder un tutoriel. Donc, du coup, ça va être un peu un épisode comme la ferme à faire. Donc, pas mal d'ellipses. Là, pour l'instant, je vais devoir creuser. J'ai mis Con Ace 2, donc vous le voyez. Donc on creuse quand même pas mal vite, ça va. Ça va encore me faire pas mal de stun tout ça. Donc du coup, moi je vais commencer à faire un bon petit trou qui descend jusqu'en bas, je pense. Et puis on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'épisode. Faut juste que je prenne la taille du trou qu'il faut et puis le faire. Je sais pas si vous entendez la pluie derrière parce qu'il pleut là chez moi. Donc du coup c'est pas cool. Bon allez, à tout à l'heure. Donc me revoilà. Donc pour moi longtemps après parce que j'ai eu pas mal de problèmes. Donc du coup j'ai pas pu tourner pendant un bout de temps, c'est ça le fait que vous n'ayez pas eu de vidéo. J'ai pas pu tourner pendant un bout de temps parce que je rentrais du travail plutôt tard. Bon là ça va, je reprends les cours donc ça devrait mieux aller normalement. Casse-toi toi. Ça devrait mieux aller normalement et donc devrait pas y avoir trop de soucis. Maintenant pour les vidéos, donc surtout que là, normalement mon nouvel ordi, je devrais l'avoir d'ici peu de temps. Il me manque plus que la réponse d'un ami, savoir s'il prend l'ordi avec lequel je joue actuellement. S'il prend l'ordi avec lequel je joue actuellement, mon ordi je l'ai dans très peu de temps. On va le mettre à 4. Je l'ai dans très peu de temps, mais voilà. J'espère juste qu'il va le prendre et un petit bisou à toi si tu regardes cette vidéo. Donc aussi pendant ce temps-là j'ai joué mais j'ai pas pu tourner donc j'étais avec des amis. Quand je suis avec des amis je me permets de jouer mais je me permets pas tout le temps de tourner. Et je me suis fait un nouveau cheval, Cho. Il s'appelle Cho. C'est un délire avec mes amis, donc du coup j'ai décidé de le laisser comme ça. Et puis au passage j'ai fait la route, j'ai fait des lampadaires pour l'éclairage, et j'ai rajouté quelques torches ici parce que sinon à des endroits on était à 6, par exemple ici on était à 6 il me semble. Voilà, donc c'était pas très cool, donc voilà. Donc maintenant on va faire la suite de l'épisode. Donc moi j'ai pas mal creusé, je me suis pas mal occupé de ma X-Mob. Je m'en ai su pas mal occupé. On a eu un petit problème avec il me semble ce lac. Ouais c'est ce lac. Oui c'est celui-là. Parce que l'usine à mob est juste en dessous. Donc là vous voyez j'ai même fait le système, etc. Ah, j'ai bien avancé. Vous voyez, j'ai mis les plateformes. C'est des plateformes de 8 au pic. Et après, on descend de 1 à chaque fois, donc ça va. Là, ça spawn pas trop. Je vais regarder si je me mets en bas ce que ça donne. Ok.
Déjà, il y a des mobs, mais j'ai pas encore fini, hein, vous voyez, il nous en reste pas mal encore à creuser. Parce que je compte faire plusieurs étages. Donc là, j'ai fait un premier étage, c'est pour ça que ça m'a pris tant de temps. Parce que, honnêtement, je crois que creuser comme ça, c'est vraiment juste horrible. J'ai mis pas mal de temps. Comment vous dire? J'ai mis pas loin de. Bah on va faire. Tiens, on va faire tout ça ensemble. Ah yo. Je. Hop, je tourne. Donc du coup, on va faire ça. On va faire juste finir cette rangée ensemble pour vous montrer à quel point c'est long à faire. En sachant que j'ai réparé déjà deux fois mes pioches. Donc le temps d'aller les réparer, le temps d'avoir l'XP aussi. Parce que l'XP, on n'a pas encore l'usine à XP dans l'end, elle n'est pas encore finie, faut qu'on la finisse. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un boulot quand même assez long. Bah, d'un sens, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de Divinity Cube ces derniers temps. Mais aussi parce que bah, j'étais avec mes amis. Et voilà. Donc du coup, enfin, là je le fais en pioche fortune 3, je crois. Ah non, même pas, efficiency 5, c'est tout. Ouais, donc ça va. Parce que je croyais que j'avais fait une pioche, enfin, que je minais avec une pioche fortune 3. Et niveau stone brick, enfin, pas niveau stone brick, mais niveau stone, on est plus que blindé, donc je crois qu'il serait temps qu'on fasse notre salle des coffres. Il y a Tom qui a fait la sienne. Si vous me suivez sur Twitter, vous devez être au courant. Il y a Tom, il y a Mister Beau aussi. Mister Beau, bon, ça vous devez pas trop le savoir. Parce que Mister Beau, il a pas Twitter non plus. Enfin, il a pas Twitter, donc on peut pas discuter ensemble sur Twitter, donc voilà. Car avec Tom, vous voyez souvent des discussions entre nous. Discussions un peu bizarres de temps en temps, je l'admets. Hop. Donc vous voyez, enfin, c'est quand même plutôt long. Bah, je vais pas tout finir avec vous non plus. C'est plutôt long. Et donc, enfin voilà, c'est pour ça que j'ai passé tant de temps à faire cet épisode, parce que enfin, c'est pas une partie de plaisir non plus à faire de creuser comme ça H24. Donc, c'est pas non plus comme si c'était ce qu'il y avait de plus plaisant de creuser comme ça. Alors, on va juste torcher la zone. Il reste ouais, deux rangées, on va les faire ensemble quand même. On va faire les deux rangées ensemble. Et donc du coup, bah, quand j'aurai mon nouvel ordinateur, les lives, déjà bah, là ça sera beaucoup plus souvent parce que là les lives, bon vu que je bug, voilà, enfin c'est pas le top. C'est même pas niveau connexion, c'est plus niveau. Vous voyez, il y a des petits. Enfin, ça qui me. J'ai pas encore vu une mob tomber, moi. J'ai envie d'en voir. On va attendre un peu. Et c'est pour ça que ça fait un X, hein, c'est parce que bah, ça forme un X. Comme ça. Et voilà. Ah, il y a un squelette qui vient de tomber là. Ouais, bref. Bon, c'est pas la chose la plus intéressante, mais sinon il va nous falloir quand même énormément de hoppers, hein, pour faire notre usine. Et je crois pas qu'on va pouvoir y accéder comme ça. Si on a pu y accéder quand même, hein.
Et j'ai pas mal pété ce réseau de minecart, faudrait que je le refasse. Donc voilà. Donc du coup je vais bah, pour continuer cet épisode, donc on va pas faire d'autres étages maintenant. On finira l'usine tranquillement en live lors du prochain live. Donc du coup ce sera pas pour maintenant. Non justement j'ai plus besoin de cobble que de stone brick. Que de brick. Que de stone. Ouh, j'ai du mal, hein. J'ai du mal. Mais j'avais encore un autre truc à vous montrer. Je sais plus c'était quoi. Oui, voilà. C'est ça, Silk Touch. Morte. Et Silk Touch. Morte aussi. Donc, du coup, c'est plutôt contraignant sur ce fait-là. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, du coup, là, moi, je vais faire une mini-ellipse. Histoire que je sache, on est à combien de temps. Histoire que je sache ce que je vais faire dans le prochain épisode. Mais normalement, j'ai ma petite idée de ce que j'ai envie de faire. Donc, allez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout à l'heure. Tiens, voilà, juste avant de commencer ma nouvelle usine, je voulais juste un peu vous expliquer quand même le système, parce qu'on l'aura pas fait ensemble. On l'aura pas. Enfin, je vous l'aurais pas expliqué ensemble. Du coup, on va faire ça maintenant. Donc tout simplement ici c'est pour alimenter tous les dispensers qui jettent l'eau. Donc vous voyez que à chaque fois qu'il y a un dispenser, vous pouvez vérifier. Hop, c'est du bois. Donc j'ai voulu faire ça juste pour m'y retrouver, hein. J'ai préféré faire ça. Là, pourquoi ici c'est coupé et ça continue pas et que ça fait pas le tour? Tout simplement parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, on arrive sur le lac de l'usine à fer. Donc on ne pourra pas. Enfin donc on ne peut pas passer parce qu'il y a de l'eau. Et en plus ça me casse le décor de l'usine à fer. Donc ça m'embête un peu. Donc du coup je préfère alimenter le dernier par ici. Puis en plus c'est plus rapide et ça me fait économiser de la redstone, excusez-moi. Donc voilà. Alors ce petit système, déjà si on éclaire un peu mieux, ça serait mieux, surtout que c'est le système d'une usine à vapeur. Alors. On a. Tiens, j'ai pas encore fait le calcul, donc je vais juste aller faire le calcul et puis on se retrouve tout de suite après. Bon, me revoilà. Donc du coup, j'ai calculé le résultat et vu qu'on a 19 items et qu'il y a 2,5 items qui passent toutes les secondes, on a toutes les 7 secondes 6. Toutes les 7 secondes 6, on a l'eau qui est dispensée. Et après 7 secondes 6 après, on a l'eau qui est ravalée. Donc du coup, là les mobs peuvent respawner à nouveau. Et une fois que les mobs peuvent respawner à nouveau, bah, 7 secondes après, c'est relancé. Donc du coup, j'ai peut-être rajouté quand même un peu d'items. Parce que ça fait court 7 secondes. Ouais, non, bon. On verra ça un peu plus tard. Là pour l'instant, j'aimerais c'est attaquer. Non, si. J'aimerais c'est attaquer mon usine à blé dans cette base parce que j'en ai pas encore. En blé, on commence à être un peu short pour nourrir toutes nos vaches parce qu'on a pas mal de vaches quand même. Tiens, Dadu qui se déconnecte. Je vais vous montrer ça vite fait. Et après je vais faire le truc en hors caméra hein, et on se le montrera, mais normalement, enfin vous l'avez déjà vu 2-3 fois sur ma chaîne, vous voyez il me reste plus que ça en blé donc du coup. Voilà, il me reste plus beaucoup de blé, donc du coup, il va falloir que j'aille en refaire. Et normalement, il n'y a plus de vaches en bas, hein, il me semble. Je vais regarder quand même. Non, voilà, il n'y a plus de vaches.
Je les ai pas encore fait reproduire. Par contre, on est pas mal blindé. C'est en steak et en cuir. Donc du coup, bah ça c'est plutôt intéressant. Donc du coup, je vais faire mon usine juste ici. Et puis, on se retrouve tout de suite après. En espérant que que cette fois-ci, j'arrive à la finir aujourd'hui. Mais normalement, ouais. Allez, à tout de suite. Bon, alors, me revoilà. Après quand même pas mal de temps de build. Donc, ouais, une demi-heure, une heure à peu près de build. Donc, j'ai fini. Pourtant, c'est pas une grosse, grosse usine quand même que j'ai fait. Mais ça prend quand même pas mal de temps à faire. C'est toujours ça, la contrainte. C'est le temps que tu passes à la faire. Hein. Mais bon. Alors, donc, on va pouvoir poser le minecart. Et allez, on est parti. On va essayer notre jolie usine. Ouais, non, par contre, s'il est... Ça, je comprends pas, par contre. Je l'avais pas encore essayé. J'aurais peut-être dû. Ouais, j'aurais peut-être dû. Du coup, là, je vais faire ça, ça et ça. Voilà. Et on va reposer le minecart. Et je vais regarder pourquoi. Ok. Ah oui, il y a un... Il y a un système là-dessous, enfin il y a un piston, c'est pour ça. Ah d'accord. Je comprends mieux maintenant. Bah du coup non, ici on va mettre un bloc entier. Voilà, comme ça va pas causer de problème. Ça, vous voyez, ça c'est des choses que je regarde pas spécialement. Mais je devrais les regarder, hein. Et va falloir qu'on finisse un peu l'usine à N, parce que vous voyez, j'ai ça de mort, ça ma pelle bientôt, ma hache, mes deux pioches steel touch qui coûtent 33 niveaux maintenant pour les réparer, donc c'est plutôt ennuyant ça, les 33 niveaux pour réparer. Enfin moi perso c'est ce qui m'embête le plus, c'est 33 niveaux pour réparer. Malgré que la snapshot elle est quand même bien parce que du coup enfin on coûte mon... enfin ça coûte moins cher le premier coup où vous allez la réparer, mais par contre après par la suite ça coûte vraiment cher et ça c'est problématique. Donc vous voyez on peut rester AFK comme ça, surtout que je crois, enfin il me semble, j'avais entendu ça sur un épisode de Aurélien Sama qui parlait de bah, son usine à blé. Et en fait on peut rester AFK en appuyant sur F11 et en réappuyant sur F11. Ça bloque, Minecraft bloque la touche sur laquelle on appuyait. Donc du coup bah c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que cette technique, je pense que je vais l'utiliser pas mal de temps pour me faire un peu plus de blé que ça, parce que là j'en ai plus en masse. En plus, il va falloir que je fasse des ballots de paille pour mettre dans le dans l'écurie. Hein. Il me reste encore ça à faire. Les ballots de paille pour mettre dans l'écurie. Puis après, je pense que ça sera à peu près tout à faire. Alors, ça c'est pour récupérer les items, ce petit passage. Par contre, ça, on va pouvoir l'enlever. Le minecart, on le pose là. Ah bah tiens, pile poil de stack. Ça c'est pas trop mal. Bah tiens, je vais me faire vite fait mes ballots de paille. On va s'en faire combien? Pas mal quand même. Là déjà on en a 7. 8. 8 ça devrait nous suffire en ballot de paille. Tiens, on va aller le faire maintenant. Au moins ça sera fait. Hop. Qu'est-ce que je fais en 2 chunks? On va se mettre en 4 chunks. C'est tout de suite plus beau.
Mais vivement le nouvel ordinateur quand même pour les 16 chunks. Sans bug. Ça fera toujours plaisir. Du coup. Ici, on va casser. Hop. Et il va m'en manquer un. Il m'en manque plus. Non, c'est bon, il m'en manque plus. Donc voilà. Donc du coup, bah on a commencé un peu le stockage, donc c'est pas trop mal. Cho il a directement les pailles en vue. Ah, c'est du nargage ça. Et ici, je sais pas ce que je compte faire, peut-être un petit lac ou une... Ah, ici oui. Ici, peut-être une petite fontaine. Avec un beacon dedans, peut-être. J'hésite encore à savoir si je fais ça ou pas. Mais sinon, si on fait ça, je pense que je ferai ça pour le prochain épisode. Le prochain épisode, normalement, si tout va bien, se passera mercredi. Mercredi, normalement, ça devrait être bon. Mais... beaucoup de vitres. On va juste prendre... Ça devrait aller ça. Dernier, enfin prochain épisode de Divinity Cube normalement mercredi, donc pause mardi. Pause mardi et puis après ben, on reprendra normalement quand j'aurai mon nouvel ordinateur, mais mon nouvel ordinateur je risque de pas l'avoir avant 2-3 semaines. Ou si ce n'est pas plus, donc voilà. J'espère l'avoir au plus vite quand même. Bah moi les amis, sur cet épisode, on va se laisser. J'aurais quand même pas mal travaillé pour cet épisode. J'aurais fait l'usine à mob plus ça là-bas. Prochain épisode un peu plus léger, on s'attaquera sûrement à la fontaine, je pense, si je veux vraiment la placer là. Et voilà, donc on se retrouve au prochain épisode et allez, ciao, bye bye. On va aller à la X-Mode. Allez où? Allez là-bas. Tac. Fuck. C'est pas grave. Donc allez, moi les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et allez, ciao. Bye bye.